Salut, c'est Arthur. Salut, c'est Benjamin. Et on va vous présenter Drosen. À 17 ans, j'ai quitté le cocon familial pour aller étudier dans une ville que je connaissais pas, laissant derrière moi tous mes repères, ma famille et mes amis. Plus d'une fois, je me suis demandé si je ne devais pas installer l'une des nombreuses applications de rencontre qui existent, mais finalement, moi, tout ce que je voulais, c'était juste me faire des potes. Avec Benjamin, on a alors décidé de révolutionner le concept de la rencontre. On a créé le no dating. Littéralement, ne pas se dater. Paradoxal, non ? Drosen, c'est LA première application de no dating. On propose aux jeunes de se rencontrer loin de leur téléphone et à plusieurs. Parce qu'au final, quoi de mieux qu'un bowling ou un foot pour créer des liens ? Le concept est simple. Tu sélectionnes un partenaire Drosen qui te plaît sur la carte. Il y en a pour tous les goûts. Bar, musée, café-théâtre, complexe sportif et bien d'autres. Ensuite, tu cherches un groupe de potes avec qui t'éclater chez notre partenaire. Donnez vos rendez-vous et place au no date. T'es fauché ? On a pensé à tout. Plus d'excuses pour ne pas sortir. Grâce à notre carte avantage, bénéficie de réductions et de cadeaux chez tous nos partenaires. Alors, convaincu ? Toi aussi, reprends le contrôle de tes rencontres. Arrête le swipe and match and let's have a no date. Et au fait, l'application est déjà disponible. Et nous lançons une preuve de concept grandeur nature en septembre à Cergy, deuxième plus gros campus étudiant d'Île-de-France. Drosen, c'est un projet à impact social. En 2020, 74% des 18-25 ans déclaraient s'être déjà sentis seuls. Et ils étaient déjà 69% en 2018. Tu te rends compte ? La précarité sociale des jeunes est un sujet souvent minimisé. Et des récentes études montrent que le marché actuel des applications de rencontres a des répercussions négatives sur ces jeunes isolés. Nous avons fait de cet enjeu notre mission. Et nous avons trouvé un moyen pour que les jeunes puissent se reconnecter à la fois entre eux, mais aussi à la diversité culturelle, sportive et festive qui les entoure. Car en effet, Drosen va plus loin. Nous défendons des valeurs de solidarité et nous souhaitons redynamiser l'économie locale. En difficulté pour attirer cette jeunesse qui ne cherche qu'à surconsommer, Drosen offre un moyen aux commerçants d'attirer de nouveaux clients et de les fidéliser. Des changements de consommation vont s'opérer à tous les niveaux. Que cela soit socialement avec le retour à une rencontre beaucoup plus humaine ou au niveau de l'ESS avec une consommation de plus en plus locale. Et nous sommes convaincus que Drosen sera un acteur majeur de ce grand changement qui attend notre génération et la jeunesse. On vous remercie de nous avoir écoutés et on se dit à plus tard.